Santé, vas-y, on va tenter la lame de Doran. On va essayer de jouer un petit peu agressif sur lui. Je connais pas trop le match-up, mais on va tester un peu. Si jamais cette vidéo atterrit sur YouTube, je vous souhaite le bonjour et bienvenue. Petite vidéo sur Jacques. Jacques, un perso actuellement qui depuis un bon moment maintenant bien broken. Ouais, Gargas, je sais le jouer. Ouais. Omniprésent World en solo queue perso, j'en croise quand même assez souvent. Okay, j'ai proc ma poigne. Et puis voilà, on va faire une petite game dessus en essayant un peu de, voilà, comme d'habitude, d'expliquer, de faire de la pédagogie comme on aime. C'est worse pour moi, je vais quand même enlever pas mal d'HP. Il joue l'âme de Doran. En vrai, why not, hein, avec ses sorts et tout, il peut régène, mais je suis pas un grand fan. Je pense que bouclier de Doran est complètement broken sur Kassanté. Et il joue Conqueror. Peut-être qu'il va jouer d'une manière un peu différente. Mais ouais, déjà, moi j'ai passé un temps là, mon élo là, en master, je croisais beaucoup. Enfin, j'en croise beaucoup à tous les élos un peu. Hein. Ok, claque sa première potion. J'aime beaucoup les nouvelles animations d'auto-attaque. Je les trouve bien mieux qu'avant. Hein. Je trouve que c'est beaucoup plus fluide. Kassanté, bon, c'est un perso qui est très fort, mais c'est vraiment un match-up. C'est du skill match-up là. Hein. Jax contre Kassanté. Ok, je voulais mettre une auto, mais j'aurais pas dû. J'ai mis potentiellement une auto en trop. Ok, je perds un CS, mais je le trade bien. Ok, ça passe. Il va level up sur ça. Je vais pas tarder à passer niveau 3, moi. Je pense que je peux le tuer, là. Le dive est bon, le dive est bon. Il avait pas de flash vu qu'il joue ghost. Et on peut aller chercher du coup la petite brillance. Tu peux dive level 3 parce que t'as... Il avait peu d'HP, il avait pas son truc qui réduit les dégâts. Il avait pas de flash parce qu'il joue ghost. Moi j'ai un flash et j'ai un jump en fait sur mon Q-spell. Donc je peux jump ward flash, esquiver rapidement l'aggro de la tour, tu vois. Là on va juste essayer de lui mettre des petits W comme ceci. Oh, le Q-spell qui connecte. Il devrait flash out peut-être. Ah mais non, il a pas flash, je suis con. Bien joué, ça m'a gâté. Il meurt pas en plus. Et il a pas une belle wave, le Kassanté là. Là, vous avez vu? Il faut absolument pas push ici, tu vois. Dans cette situation là, le truc le plus intéressant, c'est de freeze. Ça sert à rien de push. Parce que push, j'aurais mis beaucoup trop de temps. Et vu que ben, il revient assez vite, il aurait pu récupérer une bonne partie de la wave. Alors qu'avec un freeze, ben, il va perdre en fait tout ça là. Tout ça, quasiment, il va le perdre. Et en plus de ça, il est dans une situation où sa wave est très mal positionnée. Donc voilà, en fait, il est perdant sur tous les points. Ok, il a plus son truc. Et là, à chaque fois, je le jump et je lui fais très très mal. Ce qu'il pourrait faire, c'est reset. Mais ça serait une très mauvaise idée. Normalement, il devrait rester. Et même s'il touche pas les CS, juste prendre l'XP. Hop, on prend le niveau 6. Donc nous, on est très bien. Hein. On est vraiment très bien. On est vraiment dans une situation Gucci, là. Il est dans la sauce. Là, il faudrait que son jungle vienne... En fait, il faudrait que quelqu'un vienne l'aider à fixer la wave, là. Ah, là, c'est fini. Sa lane, elle est terminée. C'est un minute de jeu. Il peut plus jouer. Hein. Je suis en train de prendre un lead en CS. Là, tu vois, il est en train de décaler. C'est le moment parfait pour moi pour décaler. Pour push. Oh putain, j'avais pas la rendre, je suis dégoûté. J'arrive pas là. Oh, il a troll de fou, il aurait jamais dû venir. Et là, tu vois, ma wave elle est super, je peux juste back TP, je suis bien. On va push en vrai, j'ai plus envie de freeze là. Je veux juste push, mettre de la pression sous tour, récupérer des plates. Quel set tu vas faire avec Jax? Je sais pas encore. Mais je pense Shojin. Shojin 2 et Zhonya 3. C'est meilleur stuff sur Jax actuellement, je pense. Après il y a des tanks, donc un coup Raynor peut être bien. Si Lee Sin tank, on peut dive. Il faut qu'il tank. Il m'a éloigné. Ok, ça va, ça passe. Ça passe, il me l'avait un peu éloigné. On va prendre la tour tout de suite, on va juste faire un reset. On la prendra tout à l'heure, on a encore un peu de temps. Par contre, elle, si elle reste autant avancée... Je suis Nila de la 7ème strat. Merci combat. Ok,
Elle peut pas faire grand chose. Elle est un peu trop là, s'avancer autant. Ok, nickel. Ça se passe bien au niveau de la carte. Nous, on peut récupérer la première tour avec les plates. Il y a moyen qu'elle regrille du Noivel. Hein. Je sens qu'elle est un peu en mode j'ai envie de troll. Je pense qu'elle peut absolument pas me battre en 1v1, même si je suis low HP. Ok, je pensais qu'elle. Oui, voilà. C'est bien ce que je me disais. Je le savais qu'elle allait vouloir prendre la wave, c'était sûr. C'était sûr et certain. Je peux push next. Je vais pouvoir reset. Je vais avoir un bon back là. Ok, Shojin. On va prendre une deuxième pink au cas où. On va rush bot. Ok, nickel. On va push, on va aller chercher la tour là. On essaye de récupérer un maximum de ressources. Ok, nice. On a pris l'interrupt sur la Lux. J'avais pas vu qu'elle avait autant de kills et qu'elle avait une interruption. Franchement, c'est vraiment le fruit du hasard. Faudrait que je fasse un petit peu plus attention à ce genre de choses. On va essayer d'aller chercher cette tour. Ensuite, ça va être Zhonya. Zhonya qui sera pas mal dans la game ici. Ok, ça va, je m'en sors super bien. Et j'ai le canon en plus. Parfait. J'ai failli pas la tuer à cause de l'autre. Je pense que je peux dive. Hein. C'était peut-être un peu ballsy. Ils sont quand même bien avancés, mais bon, je vais push bot, de toute façon si je TP top, ils vont juste reculer. Les gens ont pas envie d'investir, c'est-à-dire, ils veulent pas, entre guillemets, donner de sub. Mais après la question, alors, du coup, c'est pourquoi ça marcherait pour les autres, tu vois. Pourquoi les autres, potentiellement, entre guillemets, leur... imaginons que le mien marche pas, tu vois, enfin, imaginons. Je sais pas comment ça va évoluer, je peux pas savoir. Mais imaginons que le mien marche pas. Pourquoi le mien marcherait pas et les autres oui par exemple, tu vois. C'est ça la question que je me poserais moi. Ok, nickel. On peut TP. Non, moi ce que je veux dire c'est qu'au pire des cas, si ça marche pas, tant pis, tu vois. Je serais un peu triste, mais juste j'essaierai de me remettre en question, tu vois, d'essayer de comprendre. C'est peut-être parce que c'est ma faute, tu vois. Peut-être que j'ai pas fait des sub goals attractifs, peut-être que le stream était pas bien. Il peut y avoir une multitude de choses. Hein. Moi, quand il y a quelque chose qui marche pas ou quoi, j'essaie toujours de me remettre en question et de comprendre le pourquoi du comment, tu vois. Heureusement qu'il m'a pas fait tout ça avant. Ah, il avait encore son R. Ok. Je peux reset. C'est bon, je peux reset ou pas, Ramus? Ok, on va récupérer ça. Bien joué la team.